Cette année, personne ne sera déçu. Il y aura des crêpes et de la bière. La convivialité. La gratuité. Pour tous les âges. Déjà la programmation. Voilà. On a choisi une programmation éclectique pour plaire au plus grand monde. Donc c'est varié. Il y a du rock, du reggae, de l'électro, du punk, même punk pour enfants et adultes. Donc voilà, la programmation, je pense, peut plaire au plus grand monde. Et puis il y a plein d'animations l'après-midi, diverses et variées. Il y a le marché, il y a le concours de palais, l'atelier cirque, la danse africaine. Plein de choses pour s'amuser. Ouais. Beaucoup de préparation, des réunions, voilà. On commence la préparation en septembre, donc ça fait quand même plusieurs mois où on se réunit, on fait minimum une réunion par mois. Donc un festival, même si ça dure une journée, ça demande quand même beaucoup de préparation en amont. On se réunit, on fait des chantiers, enfin des journées bricolage, où, voilà, on crée du mobilier pour l'événement, enfin voilà, on se réunit. Et puis il y a plein de bénévoles, il est encore temps. jusqu'à la veille, on accepte les inscriptions sur le site. On peut flasher le code ou aller sur le site du festival et il y a le lien pour s'inscrire. Le jour J, de voir le public qui prend plaisir et qui quitte le site en fait avec un grand sourire, et là, pour nous, on a rempli notre mission et c'est encourageant. Alors moi, c'est le retour du rock avec Cartoon Machine. Je pense que ça va être un bon moment, ça, assez sympathique, et qui va faire plaisir autant aux gros qu'aux petits. C'est un peu mon coup de cœur. Globalement, l'affiche est quand même bien diversifiée, donc le coup de cœur, il est là aussi sur cette diversité intéressante. Ce qui est bien aussi sur le festival, c'est au niveau des bénévoles, il y a tous les âges. Et le projet du festival est d'ailleurs porté par l'association du foyer rural qui existe depuis plus de 50 ans. Et c'est notamment des personnes plus anciennes qui ont donner l'opportunité aux plus jeunes de concevoir cet événement, et on sent que il y a un truc qui est lancé, et